Voici une ville de 20 millions d'habitants. Elle est érigée sur l'itinéraire sud de la route de la soie depuis un millier d'années. Aujourd'hui, elle est toujours là, en Asie du Sud. Et voici une ville qui compte seulement 30 000 habitants. Le pays dont elle fait partie est la porte d'entrée incontournable pour l'ancienne route de la soie, pour pénétrer à l'intérieur de l'Europe. Aujourd'hui, cette ville voit l'espoir poindre sur un fond sombre. Ici, il y a la plus belle gare d'Europe. C'est aussi la capitale marchande la plus à l'ouest du vieux continent. Pendant plus d'un siècle, les drapeaux qui flottent sur la ville, symbole du leader de la richesse en Europe, commencent aujourd'hui à se ternir. Le vacarme est réduit au silence. La prospérité n'a que dans la mémoire de la ville. Tout semble attendre silencieusement. Attendre que la prospérité apportée par l'ancienne route de la soie puisse revenir le plus tôt possible. Aujourd'hui, la ceinture économique de la route de la soie que la Chine a proposée et a commencé à mettre en œuvre commence à s'étendre plus profondément entre l'Europe et l'Asie. Presque la moitié des ressources sociales et de l'activité économique la plus pressante de la société humaine entameront un nouveau périple de la richesse sur cette ceinture pour réaliser le renouveau de la prospérité au sens propre du terme. Dès lors, les concepts et valeurs qui se sont sédimentés pendant des milliers d'années et ont guidé la société humaine à marcher toujours en avant vont, en répondant à l'appel et dans leur transmission par un pays de l'Orient, éclater de leur splendeur. Aujourd'hui, cette action qui couvre des milliards d'hommes sur la planète se dessine de plus en plus clairement sur la dite ceinture. Voilà le rêve commun de la route de la soie pour tous les peuples sur le continent eurasiatique. Aux yeux de beaucoup, la route de la soie devrait signifier un voyage romantique plein d'humanisme. Mais quand on s'y baigne pour de bon, chaque section de cette route de la soie est l'équivalent de la présentation la plus directe de ce vieux continent par lui-même. Les couleurs dues aux facteurs politiques, économiques, culturels et religieux, enchevêtrées tous ensemble, permettent à ce qui est sur cette ancienne voie marchande d'avoir aujourd'hui encore la possibilité de changer à tout moment. La route menant de Peshawar à Karachi, au Pakistan, est réellement pénible pour notre équipe de tournage. Des coups de feu désordonnés en Afghanistan, pays voisin, au nord de la région montagneuse du Pakistan, nous perturbent à chaque instant. À moins d'un mètre de l'objectif, les soldats, en cas de menace terroriste, pourraient appuyer à tout moment sur la gâchette. L'âpre réalité rappelle à tous les nouveaux venus que le voyage sur cette partie de la route de la soie n'est pas du tout l'excursion sur une route royale, riche et facile. Ici, c'est l'itinéraire sud de la route de la soie. Mais ici, on y voit aussi toutes les couleurs de la vie. Escortée par des militaires pakistanais, l'équipe de tournage arrive sans problème dans la plus grande ville du pays, Karachi. Animation, bousculade, vacarme. La première ville en Asie du Sud, après avoir quitté le Pamir, est ainsi précipitée dans notre champ de vision. De 300 000 habitants en 1954 à plus de 20 millions aujourd'hui, l'expansion de Karachi est phénoménale. Au cours des 5 dernières années, cette ville cosmopolite s'est accrue à un rythme de 800 000 personnes en moyenne chaque année. L'afflux des hommes signifie la vitalité économique. Mais le résultat de cet essor conduit déjà cette ville au bord de l'effondrement dans tous les aspects du logement, des communications, de l'alimentation en eau ou en électricité.
La coupure d'eau et d'électricité est devenue monnaie courante dans cette ville. Les raisons derrière ces dysfonctionnements sont la pénurie en ressources énergétiques. L'exode rural rapide vers la ville, avec de grandes masses populaires, ne peut pourtant pas générer une énorme prospérité économique. Ce raisonnement, les responsables chargés de la gestion urbaine de Karachi ne cessent de l'apprendre et de l'explorer. Nous tenons sur cette ville de Karachi, ce qui nous enchante le plus, c'est l'enthousiasme de ses habitants désireux de tout changer. Le groupe énergétique de Chine, United Energy Group Limited, a fondé sa direction régionale à Karachi il y a 4 ans. En décembre 2010, mobilisant 775 millions de dollars américains, il a acheté l'unité d'extraction de pétrole et de gaz naturel de BP, le britannique, au Pakistan. Aux yeux des sociétés européennes, ce pays est trop pauvre et arriéré, ses infrastructures soutenant le développement économique faisant cruellement défaut. Au cours des dizaines de décennies passées, après avoir dépiété des gisements les plus faciles à extraire, elles ont directement vendu des ressources de pétrole et de gaz naturel très dures à exploiter à la société chinoise. Aux yeux de ces hommes d'affaires, cette région est une terre qui ne mérite pas un seul denier d'investissement. Or, dans le cadre de l'initiative du renouveau de la ceinture économique de la route de la soie, les différents pays et les différents peuples ont une différente compréhension de cette affaire. Pakistan is energy deficient. As we speak, the energy gap is around 4 BCF a day. The production is around 4 BCF a day, the gap is around 2 BCF a day. So that's a huge gap. And the country depends on companies like ours to bridge that gap. Une société chinoise et son directeur général est un Pakistanais. Ce dernier, responsable de la performance économique d'une société chinoise, apporte en fait par ce qu'il fait une contribution à sa patrie. Cette logique, aux yeux de beaucoup, semblerait contradictoire et difficile à comprendre. Au cours de l'interview, le chef de la filiale chinoise n'a pas cherché à donner en détail une explication verbale. Il nous conduit dans le village où se trouve un champ gazier de sa société pour que nous puissions voir les changements qui ont eu lieu. Barden est le village où se trouve le champ gazier d'United Energy Group Limited de Pakistan. Au cours d'un millier d'années, cette région aride à l'extrême sud du Pakistan ne produisait que très peu de coton et de blé. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, plus de la moitié de la population locale vit en dessous du seuil de pauvreté. Les ressources souterraines de pétrole et de gaz au village ont été prospectées il y a plus de 10 ans. Mais cette richesse dort toujours silencieusement sous la terre. Dans sa bibliothèque, Tarazi nous montre les différents diplômes qu'il a eus et les photos prises quand il travaillait pour la société britannique BP pendant 20 ans. This was 20 years, but it's the shortest 25 years I've had. Ce sont les souvenirs d'une personne, mais ils montrent aussi l'histoire de l'exploitation énergétique de BP au Pakistan. De mémoire, il y a 10 ans, BP a cessé d'injecter tout investissement au Pakistan. Les nouvelles techniques de prospection et d'extraction d'énergie n'étaient pas non plus utilisées sur les champs pétroliers dans le pays. Le Pakistan a cédé son énergie, mais il n'a pas pu ainsi entamer la construction énergétique du pays. Cela était ce dont Tarazi Kamizani souffrait le plus, alors qu'il servait la compagnie britannique BP en tant que directeur général de la filiale. Why we were not able to do this when we were BP? One big reason for that is at that time we were part, Pakistan business was part of the Middle East business. And we had to compete for capital in BP. And somehow BP always had this liking for places like Iraq, Jordan, Oman. So they would get the capital, we would not be able to receive the capital that we needed to rapidly develop
Les valeurs et concepts étant différents, l'acte et les résultats économiques qui en découlent sont naturellement différents. En quelques années, les résultats apportés par l'entreprise chinoise et son exploitation au Pakistan sont davantage reflétés par des changements sur le terrain. Aujourd'hui, au village de Bardenne, le champ pétrolifère et gazier qui utilise les techniques d'extraction les plus avancées du monde commence déjà à produire. Les investissements de l'entreprise chinoise ont déjà dépassé 2,4 milliards de dollars. En vertu des valeurs et concepts de coopération gagnant-gagnant de la ceinture économique de la route de la soie, le personnel de 870 employés d'United Energy Group Limited du Pakistan sont tous des locaux. Et l'énergie extraite commence déjà à soulager la pression de l'alimentation au Pakistan. Avec différents partenaires, notamment les différents valeurs et concepts, le Pakistan a pu obtenir en quelques années beaucoup plus de bénéfices que ceux réunis pendant des dizaines d'années auparavant. When we left BP, our net production was 19,000 barrels of oil equivalent a day. Today's number is 73,000 barrels of oil equivalent a day. So that's the kind of progress we have achieved, or growth we have achieved in a matter of 3 to 4 years. Les énergies primaires étant fournies avec efficacité, l'alimentation en électricité des zones urbaines commence à s'améliorer très rapidement. La coupure de courant dans la capitale Islamabad s'est réduite maintenant à 3 heures par jour contre 6 heures auparavant. De plus en plus de changements interviennent dans la vie quotidienne. Voilà comment le peuple pakistanais perçoit les bénéfices de la ceinture économique de la route de la soie. Ce que le Pakistan obtient de deux compagnies pétrolières étrangères sont deux résultats différents. Pendant des milliers d'années, sur la route de la soie, il y a eu des conflits ou la coopération gagnant-gagnant entre des cités. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel de nos jours. Mais c'est seulement après avoir vécu tout cela que les gens se rendent compte des résultats différents de la mise en œuvre des différentes valeurs et concepts dans la société humaine. Cela n'est pas, comme depuis toujours, quelque chose d'impossible sur la route de la soie que deux parties prenantes partagent les mêmes valeurs et concepts dans leurs relations économiques. Les échanges commerciaux, l'ouverture de la cité et l'intégration des groupes ethniques sur cette ancienne voie marchande au cours des milliers d'années ne sont jamais décidés simplement par considération économique. Ce qui décide de la solidité des relations économiques et commerciales réside en définitive dans la reconnaissance des valeurs et concepts de l'autre partie du fond du cœur. La Hongrie était, sur l'ancienne route de la soie, un passage incontournable pour les caravanes venues d'Asie après leur arrivée dans la péninsule d'Asie mineure avant de pénétrer à l'intérieur du continent européen. Sur la ceinture économique de la route de la soie d'aujourd'hui, la Hongrie, qui est au cœur de l'Europe centrale, reste un point nodal important dans les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Situé dans la région vallonnée au nord de la Hongrie, le petit bourg de Kazincbarcikán compte plus de 30 000 habitants. Juras Joseph, qui a 62 ans cette année, est un natif de la ville. En tant que comptable, il travaille dans une société locale du nom de Wanhua Borsod Kem. En 1949, le gouvernement hongrois a fondé Borsod Kem. Quelques 8000 employés y vivaient, d'où l'actuelle ville de Kazincbarcikán. Aux yeux des Hongrois, la société et la ville ne font qu'un. En 2011, le plus grand producteur de polyuréthane du monde, le groupe industriel Wanhua de Chine, a acheté Borsod Kem. Cette entreprise publique hongroise, qui a plus de 60 ans d'histoire, a commencé à s'injecter du sang oriental. Szenti célokat,
Előző tulajdonosnak meghiúsította a 2008-ban kirobbant nagygazdasági világválság, befagytak a források, a beruházásokat leállították, termelés visszaesett, nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt a cég. 550 főt új szervezetbe, amúgy meglévő telephely szolgáltatásba irányították, ami azt jelentette, hogy akármikor elküldhetik őket a vállalattól. Átélni nekünk is nehezen, hogy Szabolcs fiamat az előző tulajdonos elküldte, de amikor jött a Vanhua utána, most viszonylag 3 évvel, 2012-ben újra felvételt nyert, akkor a család gazdasági helyzete is megérezte, most egy kicsit helyreállt az életszínvonalunk, de mindig. Accepter des fonds de l'Orient n'était en fait, tout au début, qu'une décision forcée. Lors de la crise financière de 2008, même la plus grande entreprise chimique de la Hongrie, Borsodkem, n'a pas pu s'en échapper. Cette vieille entreprise était au bord de la faillite avec 90 millions de dettes à rembourser. La ville de Kazimkartiba, étroitement liée à l'entreprise, ne manquerait pas de subir le même sort. Face à la manne généreuse tendue par l'Orient, les ouvriers de Borsodkem se montraient très méfiants et sceptiques. 2021年年底吧，他们是一片欢声啊，是中国人能在德国人跨公司的CEO，那么跨公司的董事吧来做CEO都没搞好，是中国人能搞好，说我们一片欢声，他以为我们必死无疑了。 7-8 hónapos vagy, ez 2 éves, ez biztos, hogy 2 éves korodban készült. Dans cet album familial de Joseph est notée l'histoire du travail de cette famille sur 3 générations successives au sein de Borsodkem. Le beau-père de Joseph a participé à la fondation de cette entreprise. Joseph lui-même a travaillé et travaille encore comme comptable. Son fils, après ses études à l'université, sert aussi maintenant cette entreprise. La gloire ou l'échec de l'entreprise décide directement de la prospérité de la famille. Les capitaux de l'Orient seraient-ils réellement sincères ? La société chinoise accepterait-elle réellement d'aider l'entreprise hongroise ? Aki becsületesen teljesíti a dolgát, az plusz egy havi éves jövedelemben részesül. Az egyéni értékelések alapján. Voltak feszültségek. Tehát előtte, van, ha előtt egyéni teljesítményen alapuló értékelési rendszer nem működött. Le principe de rémunération était suivi pendant de longues années était le système de la grande marmite. Et ce que l'entreprise chinoise qui s'était débattue durant une longue période dans la concurrence farouche apportait à Borsodkem, c'était un système de management le plus avancé du monde d'aujourd'hui. Si l'on veut obtenir des résultats gagnant-gagnant, il faut naturellement passer par la fusion des valeurs et des concepts. Le processus de réforme a été douloureux. Mais quand 2 communautés différentes se sont associées, ce dont elles ont besoin, c'est de résultats de l'activité économique. Au printemps 2015, Kazimkartiba a déjà traversé la période la plus difficile depuis sa fondation. La production industrielle de la petite ville devenait plus que jamais active. Quand la sagesse orientale en management s'est mariée avec le marché européen, cette société, qui aurait pu tomber en faillite, a finalement donné un résultat de 20 millions d'euros de bénéfices. Des milliers d'emplois ont pu être préservés et la part de marché des produits chimiques hongrois en Europe a pu être fortement consolidée. La vie de Joseph a déjà recouvré son cours normal maintenant.
La prospérité de l'entreprise est aussi celle de la famille. Les anticipations de l'avenir étant bonnes, la joie antérieure est enfin revenue dans la famille de cet employé ordinaire. C'est toute la valeur de la coopération gagnant-gagnant de la ceinture économique de la route de la soie. C'est ainsi la preuve que les populations le long de cette voie ont donné avec les changements dans leur propre vie. Chinese investments are coming to Hungary, then they really request professional circumstances and environment. And that's what we try to fulfill. And when it comes to export to China, then we really have to deliver high quality. L'activité économique menée aujourd'hui sur la ceinture économique de la route de la soie est si complexe que les gens ont du mal, semble-t-il, à faire la connexion une à une avec les histoires de richesses qui ont circulé sur l'ancienne route de la soie. Quoique la forme ait changé, la nature et le contenu de l'activité économique demeurent les mêmes. Ça, c'est la Belgique, en Europe occidentale. La petite ville sous nos yeux s'appelle Gand. Pour les touristes, cette ville ne serait peut-être pas prise en compte dans la préparation de leur programme de visite. Mais aujourd'hui, elle revêt une signification importante pour la ceinture économique de la route de la soie. Avant d'entrer au centre-ville, au bord de l'autoroute, un drapeau rouge aux 5 étoiles flotte au vent. Les bâtiments et le logo qui apparaissent par la suite nous apprennent que c'est la plus grande base de production d'automobiles du suédois Volvo. Le 1er avril 2014, les chefs d'État de Chine et de Belgique ont témoigné ensemble de la descente de la ligne d'assemblage de la 300 millième voiture Volvo à exporter vers la Chine. Elle va partir pour la Chine à partir d'ici. Le directeur général de l'usine, Eric, a aujourd'hui encore la mémoire fraîche de la visite du dirigeant du grand pays de l'Orient dans son usine. He is on television, and of course, each time they see him in the news or in other programs, the president of China, of course, they immediately recognize him. And sometimes they are still talking about it. It's already a while ago that he was visiting us, but still they are talking about that day, that event. It was for us very important, of course. En 2010, le constructeur automobile chinois Geely de Chine a acheté le suédois Volvo. La technologie et l'expérience automobile la plus avancée du monde ont commencé à devenir la première richesse à circuler sur la route de la soie. Göteborg, une célèbre ville portuaire sur la côte sud-ouest de la Suède, le centre industriel des pays nordiques. Le centre technique automobile Chine-Europe Volvo est bien situé dans l'enceinte de cette usine en bordure du Kattegat. Les capitaux sur le marché sont froids comme de la glace. Seuls les échanges sincères permettent aux partenaires de sentir la chaleur de l'autre partie. Voilà la perception réelle du personnel de Volvo et de Geely, après leur fusion en une seule équipe aujourd'hui. Créé à Amazon a été transféré de la ligne de production de Volvo au centre technique automobile Chine-Europe. Le poste de travail a changé, la signification du travail est naturellement différente. Sur la ligne de production, ce que Cray fabriquait n'était que des produits de l'entreprise. Mais au centre technique, son travail au quotidien a pour but de réduire l'écart entre les civilisations industrielles des deux régions, en Europe d'une part et en part. I think it's a very important brand for the Swedish people. Both, in many ways, it's a positive because we are more than one company working with cars in this region. Of course, it's a little bit of a challenge also because we are two companies looking for the best engineers. But I think it's mainly it's a positive thing for the car industry in Sweden and for Volvo also that we are more than one company. We are coming more expertise to Sweden and we have more suppliers coming to around us, so to say. So I think it's a positive thing.
Le centre technique automobile Chine-Europe, créé il y a 3 ans, ne comptait au début que 50 personnes. Maintenant, le personnel atteint 1500. De jeunes ingénieurs affectés de la Chine travaillent avec les ingénieurs en automobile de premier rang mondial. Les techniques industrielles européennes et asiatiques ont ainsi fusionné. Dans 2 mois, Cray va travailler dans une usine en Chine en tant qu'ingénieur suédois. Il passera pour la première fois à l'autre extrémité de la route de la soie. Comme tous les voyageurs sur la route de la soie depuis des milliers d'années, l'Orient inconnu lui inspire tant de désir de le découvrir. La plus haute statue de la ville est dressée silencieusement au bord du Göteulv à Göteborg. Selon une légende populaire, c'est une Suédoise qui regarde vers l'est au bord du fleuve. Elle attend que son mari, parti pour faire du commerce du thé en Chine, rentre à la maison le plus tôt possible. Il y a plus de 300 ans, le chiffre d'affaires du commerce avec la Chine que la compagnie suédoise des Indes orientales réalisa dépassa déjà le budget national du pays à l'époque. La circulation simple des marchandises, qui persista pendant des centaines d'années, ne peut plus continuer à fonctionner sous le concept de la ceinture économique de la route de la soie d'aujourd'hui. Permettre aux régions de différents niveaux de développement de partager le concept de civilisation avancée et de réaliser à la fin le résultat gagnant-gagnant de la région dans son ensemble, cela est non seulement une initiative lancée par un grand pays de l'Orient, mais c'est aussi devenu un sens commun pour tout le monde. Dans l'histoire, de mémoire, on estima à Chang'an le point de départ de la route de la soie à l'est, alors que le Shanxi était la porte d'entrée pour tout l'Orient face à la route de la soie. Mais aujourd'hui, pour la ceinture économique de la route de la soie, le point de départ de l'Orient n'est plus une notion géographique figée. Le réseau performant des routes ferroviaires entrelacées a permis à de nombreuses villes chinoises d'ouvrir bon nombre de trains réguliers Chine-Europe. Voici la plus grande gare centrale ferroviaire pour conteneurs d'Asie à l'heure actuelle, le centre logistique de Qingbaijiang à Chengdu. Le réseau ferroviaire moderne a changé depuis longtemps la situation, l'accès au Sichuan plus difficile que de monter au ciel. Au contraire, à partir d'ici, en 12 jours, le train régulier Chine-Europe arrivera à Lodz, en Pologne, accomplissant ainsi un fret ferroviaire combiné eurasiatique. Le vendredi, le train de fret Chine-Europe à destination de Lodz en Pologne est sur le point de partir de Chengdu. Le centre de commande et de contrôle opérationnel de la gare du Nord Xindu est très animé. Même si un seul train part, le contrôle de ce service international est particulièrement rigoureux. À 5h de l'après-midi, le centre de commande passe officiellement sa commande. Le train international pleinement chargé de conteneurs part. À 10h dans la matinée, les quais à la gare centrale d'Anvers, en Belgique, s'avèrent quelque peu déserts. Plusieurs trains de voyageurs interurbains attendent l'arrivée des passagers. Elle est la plus belle gare d'Europe, voire du monde, par son architecture. Construite en 1905, la gare est décorée avec une vingtaine de types de marbre différents. Sous la voûte en verre, chaque détail démontre le raffinement et les splendeurs de la vieille Europe. Pendant que les trains réguliers Chine-Europe partent les uns après les autres vers l'Europe, la gare centrale d'Anvers s'efforce aussi d'identifier sa nouvelle place sur la ceinture économique de la route de la soie. L'idéal serait que cette gare devienne le terminus, à l'extrémité ouest en Europe, de tous les trains réguliers Chine-Europe.
Cet homme actif s'appelle Marc Pompey. Il est adjoint au maire d'Anvers. Au cours des deux dernières années, il a parcouru toutes les grandes villes chinoises. Il avait une seule mission, il fallait qu'Anvers l'emporte sur toutes les autres villes portuaires d'Europe, y compris Rotterdam aux Pays-Bas, pour arracher le droit d'établir le terminus de la voie express Zhongho et du chemin de fer Chongqing, Xinjiang, Europe. Aujourd'hui, en 2017, Marc Pompey, qui a gagné la bataille dans cette course, reçoit avec joie des journalistes venus de la Chine. Ce qu'il a le plus grand plaisir de dire, c'est bien l'avenir d'Anvers. Three years ago, when China really started to promote the One Belt, One Road idea, and they took several initiatives, we realized ourselves that we, as an important port, but as I explained to you, much more than simply a port, we have to prepare for that. We also have to plan how we can be or become an even more important part of it. L'idée du gouvernement chinois de réaliser le renouveau de la route de la soie et de construire une ceinture économique a grandement bouleversé les différents pays en Europe. Anvers figure parmi les premières villes à être passée à l'action. Si elle devient le terminus du fret ferroviaire eurasiatique d'Europe, ce à quoi Anvers est connecté ne sera plus la seule Europe. Aux yeux de Pierre, la ville sera étroitement liée avec l'Asie, pleinement dynamique. En même temps, les voies ferrées sur la route de la soie pourront aussi, par le biais du port d'Anvers, se convertir en ligne maritime atlantique pour se connecter à d'autres destinations. Le centre d'Anvers est bien là où se trouve la mairie. Cet édifice devant nous a une histoire de 450 ans. Il héberge aujourd'hui la mairie. Tous les touristes qui visitent ce lieu entendent parler de la plus célèbre légende de cette ville sur la défense des droits de passage. Welcome at the Antwerp Town Hall. We are here at the most beautiful floor of the Antwerp Town Hall. Is the most representative building from the Renaissance of all Belgium. Come with me, please. There was a giant Antigone. He asked some money to get over the River Scheldt for merchandising. Well, and the citizens of Antwerp can't pay it anymore. They can't afford it anymore. And there was Brabo. He was an Italian, and he quarreled with Antigone. It became so heavy that Brabo cut the hand of Antigone and throws it into the River Scheldt. And that's why the little hand was the symbol from the legend of Antwerp. Sur l'immense place, ce que la statue en bronze montre est bien la scène dans laquelle Brabo jette la main d'Antigone dans la rivière. Le profil gracieux de la statue est devenu un signe de la garantie de l'utilisation par l'homme sur un pied d'égalité et de la libre circulation sur les voies. Et les trains réguliers Chine-Europe partant de l'Orient sont ainsi un produit de la coopération, de la construction conjointe, du partage et des résultats gagnant-gagnant par le biais des consultations selon le principe d'égalité. Malgré une distance de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, les valeurs et concepts des civilisations de l'homme convergent toujours vers un aboutissement commun. En 2016, le terminus de fret ferroviaire international combiné Chine-Europe a enfin été établi à Anvers sur la côte atlantique. Il se peut que ce soit un changement spécial voulu par le ciel pour l'ancienne voie marchande. Par rapport à l'ancienne route de la soie, le plus important changement sur l'actuelle ceinture économique est le bouleversement de la voie elle-même. Un gigantesque réseau ferroviaire est en train de changer la vitesse et la fréquence des échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Les villes et régions, reliées ensemble par des voies ferrées, partant de l'Orient, s'étirent aujourd'hui jusqu'à l'extrémité du continent eurasiatique. C'est la route de la soie jamais construite par l'homme, couvrant une superficie aussi vaste sur le vieux continent.
Elle est aussi la voie sur laquelle l'homme n'a jamais essayé une telle vitesse de marche. Et ce qui est le plus important, c'est qu'elle confirme les valeurs et concepts partant de l'Orient. Et elle agite le cœur des hommes et ressent aussi la température du monde humain. Vieux continent eurasiatique dans la nuit depuis le ciel, les lumières de la civilisation moderne de l'homme ne brillent de manière concentrée que des deux bouts du continent. Alors que le silence, dans la partie centrale, persiste depuis longtemps dans le cours de l'histoire. Et la richesse et la pauvreté qui en découlent, ainsi que le développement et l'état arriéré, la paix ou l'agitation, s'enchevêtrent, mettant la sagesse de l'homme à l'épreuve. Aujourd'hui, l'initiative du renouveau de la route de la soie progresse de manière stable dans cette voie. Les valeurs et concepts partant de l'Orient, en rassemblant les forces du monde entier, sont en train de construire cette ceinture économique de la route de la soie si large qu'elle est en mesure d'embrasser le bien-être de milliards d'êtres humains. C'est le rêve de tous. Et ce rêve se réalisera absolument. Стремление Китая создать технологичную современную страну к столетию Великой Революции, к 49-му году. То есть наша программа 2050 войти 30 государств развитых мира, да, и китайская программа, которую я сказал, они опять же совпадают, они будут вместе идти. И все регионы, по которым проходил шелковый путь, они старались сохранять в мире стабильность. То есть это не только чисто экономическое понятие, но это и понятие, несущее в мире стабильность. Του παλαιότερου δρόμου του μεταξύ και η Ελλάδα και σε ό,τι αφορά τον θαλάσσιο δρόμο και σε ό,τι αφορά την σιδηροδρομική και οδική ζώνη είναι μέρος αυτού του σχεδίου. Ξένες επενδύσεις είναι μια πολύ σημαντική σε αυτή την στιγμή για την ελληνική οικονομία, μια πολύ σημαντική προοπτική για την ανάκαμψη, για την επιστροφή σε πολύ σημαντικούς ρυθμούς, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Silk Road Economic Belt Reconstruction is a great opportunity for all the countries, not only in the region of South Caucasus where we Georgians live, but in the wider region. We need positive structures. And I think the One Belt, One Road structure is a very good one because it gives hopes and it gives perspective through a constructive vision. This is not only a problem of trade, it's a problem of development and it's a problem of deep political change. This is the meaning of all countries, Pakistan, they have to work diligently, transparently, to get the full benefits of this very significant initiative, which I think is a game changer for the world and for the region. "一带一路"建设植根于丝绸之路的历史土壤，重点面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放，不论 来自亚洲、欧洲，还是非洲、美洲，都是“一带一路”建设国际合作的伙伴。“一带一路”建设将由大家共同商量，“一带一路”建设成果将由大家共同分享。中国古语讲， 不积跬步，无以至千里啊。阿拉伯谚语说，金字塔是一块块石头垒成的。
欧洲也有句话，伟业非一日之功。一带一路建设是伟大的事业，需要伟大的实践。让我们一步一个脚印推进实施，一点一滴抓出成果，造福世界，造福人民。